Hey dudes and dudettes, welcome to Switzerland. Or should I say, bienvenue, since we're in the Valais Canton where they speak French. Did you know there are 1.26 million hectares of forest in Switzerland? That's about 1,800 square meters per person, a lot more trees than surfers. But no matter. What's important is the Swiss are skilled woodworkers. Look at our two budding shapers, Valentin and Esteban, building a board the old-fashioned way. When they're finished, with their faithful photographer Dom, they're going to go searching for the perfect wave somewhere on one of Switzerland's hundreds of lakes and rivers. Shall we join them? Surf's up, dudes! Bon, on y va? Où la vague? On a trouvé les surfeurs. On a trouvé l'eau. Il ne manquait plus que le surf. On fait le nose comme il faut. C'est important le nose. C'est pour bien respirer. Si t'es sous l'eau, que t'as pas un bon nose, tu respires pas. Je vais quand même faire semblant de bosser. Ça, je peux pas trop avancer. Je m'excuse, mais comme on est en vallée, je profite du soleil, parce qu'il n'y en a pas souvent. Normalement, il n'y aura pas de trou. Non, non, mais il parle pas de ces fuites-là, il parle des fuites industrielles. Si les Chinois ils viennent te piquer ton idée. En fait, il découpe ses bouts de bois comme moi je découpe mes carottes. Petite forêt de d'antennes. Non, c'est trop classe. Il y avait la Californie. Maintenant, il y a chemin de la montagne, à cheval. Hey dudes and dudettes, if you enjoyed our video, don't forget to like it. Hit subscribe to keep up to date on the latest adventures of the Landlocked crew surfing in Switzerland.